Fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, la famille Instant Mungunjo chez vous, nous sommes là encore. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci de nous avoir acceptés chez vous. C'est un privilège d'être accepté. C'est ça l'Instant Mungunjo chez vous qui vient nous témoigner de l'amour de Dieu. Heureux et soit béni le nom de l'Éternel de ce qu'il y a une personne qui a été guérie. Il y a une personne qui a été sauvée. Il y a une personne qui s'est repentie et il a changé de voie parce qu'il a justement compris l'amour de Dieu. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus fort que l'amour. Il pose la question à Simon-Pierre, « M'aimes-tu vraiment ?» Et aujourd'hui, cette question, elle est venue chez toi. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu ? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne compatis pas à la vie de ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne sais pas t'occuper des autres. Alors je viens aujourd'hui avec ce numéro par le mandat de Dieu et dire à quelqu'un, Dieu veut que tu partages son amour. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Alors partage cet amour. Partage cet amour. Sois bien envers les autres. Tiens un bon langage envers les autres. Habille-toi bien envers les autres. Tout ce que tu peux faire, fais-le aussi pour les autres. Tiens compte de ceux qui sont à tes côtés. Ne le fais pas pour toi-même. Alors bannis l'égoïsme au-dedans de toi. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas seulement à toi-même. Pense aussi aux autres. Est-ce que c'est ce que je fais? Si c'était à moi que l'on faisait ça, est-ce que je devrais réussir? Est-ce que je vais supporter? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, la réponse, c'est quoi? C'est que quand je mange, l'autre doit manger. Quand je suis en train de bloquer l'autre, ça veut dire que je me bloque aussi moi-même. L'amour de Dieu est plus que tout. Nous devons nous ouvrir les uns envers les autres. Nous devons partager cet amour, car elle est réciproque. Plus tu donnes, plus tu reçois. M'aimes-tu vraiment? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, nous sommes venus juste nous poser la question. Est-ce que nous aimons Dieu? Qui est Dieu? Il a dit, ce que tu fais aux autres, c'est à moi que tu les fais. C'est ce que le Dieu de la Bible dit. Alors, tu dois toujours raisonner et te dire que chaque fois que je fais quelque chose de bon, c'est à Dieu que je le fais. Chaque fois que j'ai dit toujours une bonne parole, c'est à Dieu que je l'ai dit. Chaque fois que je garde ma parcelle propre, c'est à Dieu que je rends cet hommage. Car Dieu est amour. Dieu continue à nous aimer. Et nous devons aussi nous aimer nous-mêmes. Que Dieu nous fasse du bien. Chaque fois qu'on peut se mettre à genoux, réalisons l'amour de Dieu. Car Dieu est amour. Et son amour continue à surpasser notre entendement. Que les bontés de Dieu soient pour vous. La grâce et la miséricorde de Dieu soient dans votre maison. Car Dieu est amour. Qu'il bénisse Numérica TV. Qu'il bénisse toutes ces personnes qui se donnent corps et âme afin de voir que notre chaîne puisse aller de l'avant. Qu'il bénisse les gens qui se battent même pour ces pays pour qu'ils voient la paix régner dans ces pays. Que Dieu bénisse et toutes les bonnes choses chez vous. Et à très bientôt.